plein de fruits dans ta vie. Il faut vivre en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. Sois corrigible, enseignable par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui n'acceptent pas de correction. Ces personnes-là ont toujours raison. Quand on lui dit, papa, ce que tu disais là, ce n'est pas bon. On ne parle pas comme ça, hein, non, il ne faut pas ça, non, c'est parce que, vous savez. Si tu veux vivre dans la sanctification, écoute les remarques du Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Il y a une catégorie de gens qui croient tout connaître. Beaucoup d'enfants ont résisté au Saint-Esprit bien-aimé. Soumets-toi au Saint-Esprit. Sois spirituel. Cinquièmement, engagez-vous dans l'obéissance de Dieu et à sa parole. Engagez-vous à obéir à Dieu et à sa parole. Obéis à tout ce que Dieu te demande de faire. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait ce qui est favorable pour toi. L'Éternel voit la fin avant son commencement. C'est comme ça que le Seigneur dit dans la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sois heureux, toi qui présente toujours tes projets à l'Éternel, parce que l'Éternel peut te dire dans cette histoire, il sait comment ça va se terminer. Même toi, tu vois un homme, ne sois pas prêt à t'engager avec lui. Dieu sait comment ça va se terminer. Obéis à la parole de Dieu bien-aimé. Il n'y a pas de sanctification sans l'obéissance. Bien aimé, un autre point, il faut servir Dieu, le sixième point, il faut servir Dieu dans l'honnêteté et dans la vérité. Je regarde tout en prenant souvent à Eric. Quand vous lui demandez, fabriquez-nous telle histoire. Il va d'abord vous dribbler. Bon. Il faut servir Dieu dans l'honnêteté et dans la vérité. Et quand le berger se fâche, que finalement vous voyez, il fabrique l'histoire et la vérité. Si tu es ingénieur, sois ingénieur avec l'esprit de Dieu dans la sanctification. On te demande de construire une maison à 10 niveaux, construis cette maison correctement. Que ce ne soit pas comme vous avez vu une maison en étage à Goma qui s'est écroulée comme ça comme un château de cartes. On va commencer à se poser des questions. Peut-être que c'est le plan qui n'était pas bon. Peut-être que c'est un problème de matériaux utilisés. Là où il fallait mettre 5 sacs de ciment et il mettait un seul sac de ciment. J'ai observé une chose bien aimée. Quand une maison mal construite s'écroule, il faut voir la poussière qui s'échappe de cette maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ciment, il y avait que le sable et le sable, la poussière. Il y a une maison d'étage qui s'était écroulée ici vers le quartier Gémé ici. Il y avait beaucoup de poussière. Vers l'ancien temple de la cellule de la gouvernation, la prime à l'Emakou, il y a un immeuble qui s'était écroulé, beaucoup de poussière. Donc il n'y a presque pas de ciment qui est utilisé, il y a beaucoup de sable, peu de ciment.
L'immeuble là, j'ai vu sur vidéo, qui s'est écroulé à Goma, ça a dégagé la poussière impossible. Même quand les Israéliens bombardent à Gaza, il n'y a pas autant de poussière. Mais les Palestiniens qui sont dans les désordres, quand même, ils construisent leurs bâtisses avec beaucoup de sérieux. Bien-aimé, quel est ton objectif? Arrête des compétitions des postes dans l'église. Dans l'église ici, arrêtez de. Ton temps viendra. Moi, c'était simple frère des années et des années. J'ai prêché, j'ai modéré. En Europe, on m'avait dit quand tu rentres, tu seras directement vertu, mais ça n'a pas été le cas. Et je n'ai jamais même été désigné de verser. On m'a nommé directement missionnaire. 2021 missionnaire, après combien d'années à l'église de Rouen? 16 ans, je crois. Arrêtez les compétitions des postes. Donne à Jésus-Christ la première place. Sois serviteur de Jésus-Christ. Il faut être serviteur du pasteur. Quand je suis là, vous voyez tout le monde venir.